What's up les gars, c'est votre Blacky, back to the new vidéo pour une nouvelle vidéo. Non, c'est pas une vidéo news, mais c'est une vidéo débat, donc c'est un nouveau concept de vidéo. Je vais vous poser une question et vous allez débattre en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, la question c'est quoi? Comment sera l'avenir de 6ix9ine quand il va sortir de prison? Qu'est-ce que vous pensez que 6ix9ine va faire? Est-ce que 6ix9ine va continuer au rap s'il va pas changer de pays parce que il a quand même snitch, c'est pas rien et il faisait partie quand même, enfin, il faisait partie d'un gang, il traînait avec beaucoup de membres de gang, donc il y aura quand même des représailles. Il a snitch, donc je pense que quand il sortira de prison, il y aura des membres de la police qui vont le protéger. Est-ce que 6ix9ine va pas changer de pays carrément parce que c'est pas une petite affaire quand même, hein, c'est des membres de gang, on parle des Bloods et les Bloods ils sont quand même partout aux États-Unis, donc même si tu quittes New York, que tu vas je sais pas à Los Angeles, Miami, il y a des membres de gang partout, il y a des Bloods partout. Faut vraiment que là il ait des gardes du corps H24 parce que une fusillade ça peut éclater à tout moment, des mecs qui tirent comme ça. Je vous rappelle que là-bas on a le droit aux armes, donc même des petits ils ont des armes là-bas. Quand je dis que ouais, 6ix9ine va-t-il continuer le rap ou pas dans l'avenir, c'est en mode parce qu'il y a quand même pas mal de rappeurs qui l'ont clashé. Il y a Snoop Dogg, il y a... Enfin bref, il y a plein de rappeurs qui l'ont dit comme quoi que c'était un rat, que c'était une snitch, il n'avait pas le droit. Donc si 6ix9ine revient dans le rap, déjà il aura du mal à faire des feats. Non, je pense pas qu'il aura du mal à faire des feats parce qu'il va vendre tellement, tu vois, que les gens ils sont battront les couilles qu'il est snitch, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, il y a des rappeurs qui sont battent les couilles. Ils vont juste penser au stream ou peut-être que ça sera des potes de 6ix9ine. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, comment vous voyez l'avenir de 6ix9ine quand il sortira de prison? Et en plus, j'ai sorti une vidéo comme quoi que ouais, on peut penser que 6ix9ine va sortir de prison dans 6 mois parce que ça venait du post Instagram de la copine de 6ix9ine. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là, une petite vidéo débat pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Et je ferai une deuxième vidéo où je lirai vos réponses sur ce débat là. Est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo? Comme ça au moins j'interagis avec vous, je lis vos commentaires et c'est bon délire. Donc bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire ça en commentaire. Et à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. All my dick, she Lego, Lego, never Lego. Home, I stuck up on me, so I call the Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro, if it's about the peso, like it's go Diego. Make it right on schedule, got the pistol on me. With the dick extendo, bitches in the back, just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.